Yo. Missa revenu. Qu'avons-nous là? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve? En effet, professeur Rockwood. Je vous ai déjà vu! Nous vous avons vu dans la pancine, à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte au loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de Sanbacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous ne devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant que la sorcière de la dernière pancine, Isidora, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pancine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrok. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs, oui, monsieur. J'allais le dire. avant que vous ne partiez... Oui. C'est pourquoi... Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Ah mais si, on en Merci, avait vu de ça ! Monsieur, j'ouvrirai l'œil. Au gardien de la salle. Oh, c'est l'automne! Bon bah... On va pouvoir changer de vêtements et mettre une écharpe. Bon... Eh bien très bien. Mais oui, des trucs de tourbillon de magie, on en a vu un dans une maison, là... Ah, j'ai du courrier. J'ai... pas de courrier. Là, je commence à en avoir du monde, là, mais de Dieu. Alors, déjà, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va passer un tour à la salle sur demande. Histoire d'identifier tout ce que j'ai looté. Tac, salle sur demande. Je devrais interroger Sirona. Ah. Incroyable nouvelle! Une amélioration de balai est disponible! Venez me voir dès que vous pouvez. Très bien. Bon, déjà après Olar. J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Oh. Alors, déjà, équipons-nous des devoirs du professeur Onai. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre Descendo, qui permet de faire descendre des objets au sol. Il y a Elfino qui vit toujours sa meilleure vie. Hein. Il a toujours pas fini son paquet.
Alors, très rapidement, niveau stuff. Tac. Oh, 73 celui-là. Dead. Dégâts accrus avec Petrificus Totalus. Ouais, bon, ça on verra plus tard. Lunettes, elles sont pas mieux. Chapeau. Pas mieux. Et tenue. Ah, elle est meilleure là. Dan. Ok. Alors, par contre, on est de retour dans Poudlard, hein, donc vous le savez. Hop là. Bon, c'est l'automne, on va commencer voilà, à mettre un petit peu de vêtements un petit peu plus chauds, hein, peut-être une écharpe. Non, l'écharpe, du coup, s'il y a changement de saison, l'écharpe, on va la garder pour l'hiver. Mais voilà, on commence à sortir des petites mitaines, hein, on sait jamais. déjà les quêtes, du coup, qu'est-ce qu'elle me demande? Oh, il y a plein de trucs. Alors, oh... Cours sur les créatures magiques, la plainte lunaire du concierge. Récompense à l'Omora, ok, on va faire ça. Le homme Durkot. Nivori qui répulso. On apprend Descendo, ça ok. Survoler la compétition, acheter une amélioration de balai. Ah! Ah, mais du coup, cours sur les créatures magiques, on va découvrir un nouveau professeur aussi. Et ça, c'est Sirona, donc ça, on verra plus tard. Et bah déjà, on va acheter l'amélioration pour le balai. Alors, elle demande quoi? Récupérer de la crotte de nez de troll. Super. Lancer répulsion sur un ennemi en lévitation. Ok. Ça va se faire tranquillement. Et bah, on va acheter l'amélioration pour le balai. Ensuite, on va voir le concierge. Et après, on avise. Préolard. Alors, déjà. Ravi de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. C'est très appréciable. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Alors, ça coûte combien? 1000. Ça va. Dad. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. En plus, on va vendre hein, tant qu'on est là. Voilà. Du coup, des choses à dire ou pas du tout? Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Ah mais on y va carrément. Et tu peux m'en dire plus sur le parcours? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est à un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. Ouais. J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Très bien. Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès. Bon, est-ce que je le fais maintenant? En route pour faire la course, alors? Non. Alors... Le concierge... qu'on avait croisé, qui était un bâton... Oh, les Toby Keys! Craignez les Toby Keys! Planquez-vous! Elles arrivent! Ah, voilà. Donc ça, là, j'imagine, du coup, vu le symbole de la quête. Enfin, le petit dessin, là, sur la carte. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes.
J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Alors du coup, Bichel me fait attendre toute la nuit. Enfin, toute la journée. Waouh. Ah oui, il me fait attendre. Je peux me permettre ce conseil. Essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. On en a vu plein, des statues comme ça. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Ah. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge... On en parle du tableau derrière qui fait chute. Courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je veux pas m'attirer d'ennui. Bon, ça sera un plaisir de vous aider. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon. Vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein ? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ah, parce qu'en... Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Je veux rien dire. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. On va peut-être m'apprendre le sort d'abord. Ouais, voilà. Mais genre, le mec, il peut pas... Enfin, c'est le concierge, il peut pas dire... Alors, excusez-moi, cet élève, vous la laissez passer, c'est moi qui l'envoie bosser. Non. Bon. Et bah très bien, faisons ça du coup. Approchez-vous d'une serrure et interagissez pour lancer le sort des verrouillages. Alohomora. Très bien. Alohomora. Utilisez L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés et ouvrir la porte. Ah. Ça, j'imagine du coup. Ouais. Bravo, c'est ouvert. Souvenez-vous, à
avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Bon bah, eh ben c'est parti hein. Rébellion. Oh mais du coup, il y en a partout. Allô, Mora. Par là. Ok. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a des mods pour enlever le mini-jeu du Halo Mora. Je comprends beaucoup mieux. Chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux si tu nous rejoins. Ça fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu acceptes de te séparer de quelques-unes de tes plantes, les plus odorantes en fait. Depuis l'attaque des trolls, les clients se plaignent d'une odeur de chaussettes sales, crois-le ou non. Et j'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt avec ou sans tes plantes. Ton ami, Cyrola. Révélio. Bon, il y a l'air d'avoir du loot de partout hein, dans l'idée. On va fouiller, hein. Alors, on peut fouiller, mais pas trop. Hein. On peut vider les coffres, les petits coffres à bijoux. Mais les armoires, c'est non. Pas déconner quand même. Là, là, qu'est-ce qu'on a ici? Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction, pourtant peu récente, de la pénalité du Tasbut. De Tasbut ? Au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir à des gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la magie, de la justice magique, pardon, s'assurera qu'une enquête est menée si son emploi du temps le lui permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder deux places pour la finale de Quidditch de la saison. Je peux en avoir une. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Sapsios Pavin, ministre de la magie. Sapsios Pavin. Réveille. Donc le bureau de Fig, hein, si je comprends bien, Ah, c'est un niveau 2, hein. Apporter des lunes supplémentaires à Gladanimum pour améliorer le sort à l'Omora. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça va marcher, du coup. Ah, il y a une armoire ici, ok. Lancer Révélio révèle les figures d'autorité et les emplacements. Oui, Alors, qui est où? Ok, il y en a un là. Rappel à destination du personnel, les elfes de maison de Poudlard. C'est Poudlard. De Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres à proximité fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Weasley. Ok. Ah, il y a la... Ok, il y a la statue... Il y a la clé qui est là. On va en profiter, hein. Attends, elle monte? Ah non. Attends. Deux armoires côte à côte, ça fout pas ma gueule. Hop, tant qu'à être là. Allez! Et voilà! Ah, mais. Ça, ok! Par contre, la question que je me pose, c'est que, vu que de toute façon, il va falloir que je revienne, puisqu'on a vu qu'il y avait une porte avec niveau 2, je me tâte à juste aller chercher
va dire, les items de quête, et puis c'est tout, quoi. Alors, 5 plus araignée, plus quelque chose égale 13. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit 8, non, si, 1, 8, non, si, c'est ça. Eh ouais, mieux. Voilà. Réveillon. Ça me va pas de dormir peu, hein, moi qui vous le dis. Alors, statue de Dirico. Une écharpe cadenas. Ok, vous êtes sûr de votre délire là? Comment ça, écharpe cadenas? Ok. Ouais, donc dans l'idée, je pense que je vais juste aller chercher les deux items de la quête. Et je fouillerai un petit peu plus quand on aura amélioré le Halo Mora, histoire de pas faire 36 fois l'aller-retour ici. Ça me paraît plus intelligent à faire. Décevant, je dois dire. Vraiment ? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année, Mathilda. Très bien. Grosse ambiance. Je m'attendais presque à ce que ça dingue. Boris le Hagard, cette statue de sorcier à l'air perdu connue sous le nom de Boris le Hagard déconcerte les élèves depuis longtemps. Vient-il d'arriver ou est-il sur le départ? Est-ce en début ou en fin de journée? Mystère reste entier. Les élèves dans la salle des... Bref, il y a trop des profs. Ah par contre, il y a une autre clé ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus ce que c'était. Putain, si je me plante de... Est-ce que c'était ça? Oui, c'était ça. Ça a failli être terrible. Réveillon. Et on se casse. Hein. À quoi que, non, attendez, il y en a un qui est à cet étage-là. Je suis pas là. Non. Ok, c'est bon, let's go. Go. Ça doit être la salle de bain des préfets. Il est où? Là. Ok. Il y en a devant. Ah. Oh, j'ai allumé le robinet. Non. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une révolte de gobelins éclate. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Ekat. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Je suis pas du tout en train d'allumer toutes les... tous les robinets. Hein. Yoink. Par contre, pourquoi les préfets, ils ont des bonnets de première année? Oh, merde. Non. Oh, ça pue, ça. Non, si, non. Bon, ça va. Oh, tête. Allez, on se casse. Vite. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. Je
Tout va bien. Non. Elle est où? Toi, viens. Mais viens ici. Mais... Ah, c'est pas la bonne. Putain, à chaque fois, je les confonds les deux. Voilà. C'est pas moi. Non. Donc ça discute Quidditch, hein. Et le fait de mourir, de vivre d'or, ça ressemble beaucoup à la vie, non? Oh, je devrais faire plus attention au prochain match. Enfin, s'il y en a un. Vous devriez, oui. Ok. Oh. Oh, il y a un coffre juste derrière. La fontaine de la licorne. Cette majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et de calme à l'infirmerie de Poudlard. Non. Oh, c'était chaud. C'était tellement juste. Mais du coup... Ah, niveau 2, comme ça au moins ça règle le problème. Lui, il est tourné dans le mauvais sens, donc ça règle le problème aussi. Je ne suis pas là. Bon, ça... Oh là, je mets l'âme, excusez-moi. Ça se passe plutôt bien, pour l'instant. Maintenant que j'ai dit ça, évidemment, ça va être terrible. Ah oui, j'avais bien vu. Il y a une série niveau 3 ici. Oh, avec un méga coffre. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par les Nifleurs, qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Très bien. Alors du coup, ouais, ils sont un peu énervés parce que j'ai fait Axio, c'est ça? Ouais. Excusez-moi, vous voulez bien partir? S'il vous plaît, merci. Ah, vous voudriez bien partir plus? Je vois bien. Ouah, wow, professeur Hecate, elle a bouffé une porte. Hein. Ah, Belby aussi. Oh bah voilà. Soir. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Et il y en a combien là des statues? Combien de statues faut-il trouver?
Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, ah oui, okay, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Et qu'est-ce que j'y gagne, hein ? Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide ? En effet, apportez-moi suffisamment de lune et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Ok. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Eh ben très bien. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Très bien. Alors par contre, ça ne dit pas combien il faut en récupérer ou quoi pour qu'il améliore mon truc. J'imagine qu'on verra bien. En temps voulu. Ok. Mais par contre, il dit que ouais, que la nuit, tout ça, mais est-ce qu'elles sont récupérables de jour ? On verra bien. Qu'est-ce que c'était ça ? C'était Cyrona. Ouais, Cyrona, on verra plus tard. Non, j'avoue que je suis assez intrigué par le cours de sur les créatures magiques. Bon. Cours sur les créatures magiques. Bonjour tout le monde. Nouveau professeur que l'on découvre. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour. Ah, c'est la fameuse Poppy. Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter, parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Attention, Gérald, hein, ça va se passer. Prends ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Cela dit, c'est la bonne couleur. Ah non, comme ça. C'est vrai qu'on ne pourrait pas prendre la brosse à la main pour le brosser nous-mêmes. Hein. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. Mm-hmm. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos ? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. C'est quoi, c'est des chiens ? Des chats ? Ah, les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ah, quelle sale bête ! Il y a toujours un débilus là-dedans. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Je peux lui mettre un coup de boule ? On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours.
des bras cognés en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Très bien. Bon bah du coup je vais remettre... tac. Ah, ah. M'en mêle pas du tout les passants dans tout ça. Hein. Et du coup il se rapproche. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Très bien. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? À parler de Débilus, là... J'ai peur des créatures. Oh, c'était cool. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Ouais, moi aussi. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Très bien. Il faut que je te parle. Approche. Oui, mademoiselle. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Eh bien, allons-y. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Très bien. La démarche en montée, il c'était bizarre. C'est superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Puis réponds, ça coûte rien, Jacqueline. Ah ouais, c'est super beau, il fait beau. Nous sommes presque. C'est un peu plus loin. Ah, on est sous le pont, d'accord. Je t'ai jamais descendu par là. Reste là. Oh, que j'aime ce bruit. Stylé. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse. Le regard de l'hippogriffe, c'est en mode « C'est qui, elle ?»
Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Moi, ça gratouille, hein. Moi, ouais, ça gratouille. Alors, qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Trop stylée. Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ouais. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Mais carrément ! Carrément, carrément ! Bon, je veux dire, air toute choupette ! Devant du professeur Ronai, oui, ça, oui. C'est pas le devoir que j'attendais. Mais du coup, en termes de devoir, là, on a quoi ouais, on a que ça pour l'instant. Ah, j'ai récupéré une crotte de Nétrol, what the fuck. Ah, c'est peut-être la récompense de quête. Je vais pas chercher à comprendre. Très bien, bon, bah, faudra juste faire un répulso sur un ennemi en lévitation. Et on sera pas mal, là. On aura un sort supplémentaire. Eh bien écoutez, très bien. Très bien, très bien. Je pense que pour le coup, on va s'arrêter là pour cette session. J'espère que les épisodes vous ont plu. Si c'est le cas, vous le savez, sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux devoirs à Poudlard. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao.